Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. C'est devenu une évidence. Le numérique a envahi nos vies personnelles, mais aussi professionnelles. Impossible de faire sans aujourd'hui. Et la question se pose avec de plus en plus d'acuité comment réduire son empreinte numérique C'est même devenu un enjeu important dans le monde du travail. On va le voir avec nos invités. La réponse à cette question est multiple. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Sabine Yénard. Vous êtes responsable du développement durable chez Alpha Crédit. C'est une filiale du groupe BNP Paribas. Et j'ai également sur ce plateau Olivier Vergenz. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut belge du numérique responsable. Un chiffre pour commencer cette émission, vous allez le voir sur ce tableau c'est l'empreinte numérique. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce sont des chiffres de 2018-2019, Olivier Vergens. Est-ce que la situation est pire aujourd'hui oui. Est-ce que, est que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté Alors effectivement, il y a une série d'études à l'époque qui donnaient à peu près le même ordre de grandeur. Les, de, il n'y a pas de chiffres scientifiques précis depuis lors, mais toutes les nouvelles études tendent vers une augmentation. On est en chemin vers quelque chose comme 6 à peut-être 8% bientôt. Ouais, et donc c'est plus que déjà en 2018-2019, c'était plus que l'aviation euh, civile. Donc ça, ça prouve... Euh l'importance hein, de la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que euh, les entreprises ont compris ça euh, ou pas Alors, les entreprises du numérique, euh, certainement, s'en rendent compte, puisqu'on a entendu, par exemple, Microsoft qui parle d'utiliser une centrale nucléaire dédiée, ou Google aussi, euh, qui, qui, qui regarde des, de, de nouveaux moyens d'aller chercher de l'électricité peu carbonée. Euh, mais les entreprises aussi qui utilisent ces services maintenant se posent réellement la question, et on le voit à travers le nombre d'entreprises qui ont développé des stratégies numériques responsables. Ouais, alors, Sabine Yenna, pour vous, c'est chez vous, dans votre entreprise, c'est une réflexion récente, euh, cette empreinte numérique Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, clairement, dans notre euh, mission d'entreprise, l'empreinte carbone de notre entreprise euh, nous travaille. Enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, le, le moyen de mesurer, c'est encore très compliqué. Et ça fait combien de temps que ça vous tient à cœur Un an, deux ans Depuis quand a-t-on pris le problème à bras-le-corps, je vais dire Un an et demi, euh, deux ans, ah, oui, un ça an et demi qu'on est, récent, qu est conscient. Vraiment euh, de, vers quoi on doit tendre. Et, et, et vous devez tendre vers quoi Parce que dans votre métier, je le dis, c'est devenu indispensable. On ne peut pas faire sans. Est-ce que vous avez des, des objectifs précis déjà de réduction d'empreintes Alors, des objectifs précis, non. On doit mmh. atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Donc, on suit les accords de Paris. Ce qui est très important, c'est que notre société de services, on est crédit à la consommation. Donc, on donne des prêts à nos clients. Et par, à travers ces services, on doit mesurer aussi la manière dont on, on, on applique, dont on, on crée les applications et les sites qui sont accessibles pour nos clients. Ouais, on verra hein, comment. Hein. Mais une question pour vous encore, Olivier Vorgens. Est-ce que ce n'est pas quand même du greenwashing de certaines entreprises On se dit, oui, on, vla, on va développer ça, ce service, pour dire qu'on fait quelque chose, mais au fond, ce n'est pas notre priorité alors, ça pourrait être le cas, effectivement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que nous, au sein de l'Institut, on travaille avec des entreprises qui utilisent le numérique pour d'autres euh, activités, hein, des banques, des hôpitaux, des assurances, des universités, etc. Et donc, le, le cœur de leur communication sur la réduction de l'empreinte carbone n'est pas sur le numérique. Clairement, l'idée, c'est de dire que ces entreprises essayent de diminuer leur empreinte carbone sur tous les domaines. Le numérique peut être quelque chose comme 2-3% de leur empreinte globale. Mais l'idée, c'est de dire que tout département, toute équipe de l'entreprise doit travailler à réduire l'empreinte. Et donc, aussi, le numérique, il serait illogique de laisser ça comme une boîte noire qui peut tout faire et qui peut particulièrement grandir actuellement avec l'IA. Donc ouais. c'est quelque chose à mesurer et à prendre en ouais, compte. On aussi. verra l'IA, l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais une question pour vous, euh, Sabine, vous l'avez dit, euh, c'est difficile aujourd'hui de connaître vraiment votre empreinte numérique. Pourquoi Disons qu'on n'a jamais mesuré non plus dans nos applications existantes, sur nos sites internet, par exemple, euh, quelle est l'empreinte carbone d'une application. Par exemple, vous voulez souscrire un, un crédit en ligne, quelle est l'empreinte carbone de l'entreprise et du client mmh. Aujourd'hui, on ne sait pas encore mesurer ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit s'améliorer dans la façon de concevoir toutes ces applications. Et là, il y a une marge de manœuvre à faire. Et pour ça, effectivement, on est de plus en plus précis sur la manière dont on doit concevoir les applicatifs. Oui. Ça s'appelle de l'éco-conception. Oui, alors actuellement, Olivier Vorens, parce que finalement, on se pose la question c'est quoi qui euh, est le plus énergivore Est-ce que c'est nos ordinateurs avec le stockage de données Est-ce que c'est la gestion des applications euh, Qu'est-ce qui consomme le plus finalement ça va dépendre d'une entreprise à l'autre. Alors, effectivement, la difficulté de la mesure, c'est qu'il n'y a pas une méthodologie reconnue au niveau international et donc il y a plusieurs méthodologies, d'où la difficulté pour les entreprises d'être certaines de mesurer les bonnes choses. Maintenant, euh, ce qu'on va voir, c'est qu'en règle générale, on va avoir quelques grands paquets. On essaye d'estimer justement ces grands paquets. On va avoir les équipements des utilisateurs, les ordinateurs portables, les écrans, etc. On va avoir les applications, euh, les grosses applications qui tournent en interne et puis on va avoir toutes les applications qu'on qu donne à nos clients. Si on est une banque par exemple, ben, le web banking, et là, la difficulté, ça va être d'estimer l'impact de l'utilisation par les clients, avec le smartphone, l'ordinateur, etc. Là, on a une difficulté supplémentaire puisqu'on multiplie cet effet par le nombre d'utilisateurs connectés. Oui, alors justement, dans le domaine des applications ou dans le domaine des services en ligne, comment est-ce que vous opérez pour, pour diminuer euh, la consommation d'énergie euh, de, de, tout, de tout ce matériel et de oui. tous ces services On est dans une phase pour le moment où on repense. Euh, comment servir un client et donner l'accès à tous nos clients par rapport à, à un service. Et cette phase de refonte de nos applicatifs, elle est vraiment guidée par une façon d'IT, donc les, les personnes qui travaillent dans l'informatique et les métiers, donc euh, vraiment euh, les collègues du business, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut offrir aux clients quelque chose qui soit euh, très euh, utilitaire, mm -hmm. très efficace et qui en même temps n'offre pas 1000... Mille... Par exemple, fonctionnalités dont le client n'aura absolument pas besoin. Mmh. Et c'est ces autres 1000 fonctionnalités en fait, qui prennent de la bande passante, qui prennent du stockage et qui sont mises sur nos data centers qui, évidemment, prennent de la place et de l'énergie. Ouais, vous dites, euh, en attendant, de, quand, quand on réfléchit euh, au développement d'un service à la clientèle, vous dites il faut les trois U. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utilisable facilement Et est-ce que c'est utilisé Effectivement. Mmh. Ouais. Donc la première chose, ça va être de ne pas développer des, des applications qui ne servent à rien ou des fonctionnalités supplémentaires et puis surtout d'enlever celles qui sont peu utilisées euh, parce qu'elles continuent comme disait Sabine à prendre pas mal de bandes passantes etc. Et en plus elles créent ce qu'on appelle de la dette technique pour l'entreprise donc c'est des fonctionnalités qu'il faut maintenir ça coûte cher et ça a une, un impact environnemental pour des choses qu'on pourrait éliminer. Oui alors c'est facile à dire hein. les 3U on va mettre ça en place c'est beaucoup plus difficile à faire j'imagine. Effectivement, mais c'est surtout une question de, de, de mentalité, de gestion du changement au sein de l'entreprise. C'est quelque chose où à la fois les équipes produits doivent réfléchir à la façon dont ils vont dessine, dessiner, en gros, les produits futurs et la façon dont les équipes IT vont les développer. Et là, il y a différents différents types d'accompagnement qu'on peut fournir pour aider ça au sein des entreprises. Oui, alors justement, vous, comment, euh, qu'est-ce que, vous, quelle est la stratégie que vous développez pour dire tiens, est-ce que ce qu'on développe là est utile, est-ce que ça va être facilement utilisable euh, C'est euh, dès le début de la conception. Projet Oui, de, donc toute la phase, même jusqu'après, euh, voilà. C'est vraiment. Euh, on doit en fait être humble aussi, parce que vous avez dit, c'est très nouveau pour nous, euh, et on doit s'entourer d'experts. C'est pour ça qu'on a rejoint l'Institut du numérique responsable belge, pour comprendre aussi ce qu'on devait faire et comment le faire. Et ça passe aussi par la formation mmh. de nos collègues, de nos gens qui sont en train ouais. de. Et, et de les programmer. concepteurs est-ce qu'aujourd'hui. Euh ils ont appris ça, euh, est-ce que euh, ça fait partie du cursus euh, scolaire ou, ou pas vraiment en fait Alors c'est apprendre euh, en marchant, comme on dit, et euh, on, on essaye, on fait des erreurs peut-être et on réessaye. Et donc euh, quelque part, comme c'est nouveau, on se fait entourer, on forme les gens, on reçoit le feedback de ses collègues. Donc euh, bah, voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut ajouter, on, on constate et ce sera une transition numérique. Parce que j'aime bien ce terme-là, on parle de transition énergétique. Mais transition numérique, ça veut dire qu'il faut se prendre aussi le temps de bien mmh. faire les choses. Mmh. C'est beaucoup de collaboration. C'est du transversal, collaboratif. Et qu'in fine, c'est le client qu'on veut servir. Pour que ce client soit satisfait, mais ben, ça passe par une formation des équipes et par un questionnement euh, incessant de « est-ce qu'on est en train de bien faire les choses ou pas ?». Oui. Est-ce que, là, là, vous me dites, vous représenter il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé euh, la charte. Euh, cette charte numérique responsable que vous proposez, est-ce qu'elle est... -ce qu est euh, ben, il n'y a pas d'exigence, je veux dire. Il n'y a pas... C'est simplement un engagement de ces entreprises. Effectivement. Effectivement. Donc, on a plusieurs niveaux. On a la possibilité d'adhérer à notre association pour recevoir nos services. Indépendamment de ça, on peut signer cette charte qui est un engagement moral des équipes gestionnaires, du management d'une entreprise, d'une organisation, d'une administration aussi. On plusieurs administrations euh, qui l'ont qui signé. Et donc là, c'est un engagement d'aller vers un numérique plus éthique, plus respectueux de l'environnement, plus euh, accessible, mm -hmm. toute une série de choses. Euh, mais il n'y a pas un audit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est publiquement pris. Et puis si on souhaite aller plus loin, il y a la possibilité de passer à un label, un label numérique responsable. Et là, effectivement, il y a une vérification faite par une, tierce, une partie tierce. Oui, votre idée, c'est d'aller vers le label euh, chez, chez AlphaCredit En toute modestie. Ouais. Donc euh, on se donne des étapes, bien sûr. Ça fait un an et demi déjà qu'on côtoie l'Institut du numérique responsable. On a seulement signé la charte hier. Donc mmh. euh, euh, on a l'ambition effectivement de construire des, par des actions concrètes et bien guidées par notre groupe, parce que l'écoconception conception ce n'est pas quelque chose que nous avons mmh. euh, imaginé euh, comme ça. Donc on suit vraiment un cadre que tous les pays du groupe suivent. Et donc l'idée, c'est que l'année prochaine, et sur trois ans, on essaye de s'améliorer et qu'au fur et à mesure donc, des nouveaux applicatifs, on le programme directement selon mmh. la nouvelle conception. Oui. Alors vous le dites, c'est un engagement, on peut adhérer à un label, mais est-ce que vous êtes demandeur à un moment d'une... Législation qui oblige finalement à ce numérique responsable Certainement. Euh, D'une part, une législation, d'autre part, des, des études. Vous en parliez tout à l'heure, on peut y revenir. Mais effectivement, il y a un manque typiquement de standards, des standards ISO par exemple. Il y a, il y a très peu de standards ISO sur ce type de sujet. Euh, il y en a, mais qui ne sont pas spécifiques au numérique, donc c'est difficile à appliquer. Euh, et à côté de ça, la législation, ben, il y a par exemple des législations sur la mesure de l'empreinte carbone, mais pas encore sur la réduction, ni sur les moyens d'y arriver. Donc on espère qu'au niveau européen, et surtout la traduction au niveau dans des lois, on va arriver à quelque chose qui aide les entreprises, qui ne soit pas juste une contrainte avec des pénalités, mais qui soit aussi une, un guide. Pour qu'on soit tous alignés vers un même objectif. Oui, alors, on, on le disait, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés. Là, il y a le développement de la 5G, il y a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans les entreprises également. Une intelligence artificielle dont, dont on dit qu'elle est très euh, énergivore. Est-ce qu'on n'est pas à chaque fois dépassé finalement par euh, l'évolution, une évolution énergivore Effectivement, on se fait rattraper. Euh, quasiment systématiquement par les technologies, chaque technologie apporte quand même de, de fortes réductions. Si on prend la 5G par exemple, pour une quantité de données transmises, elle est beaucoup plus efficace que la 4G. Mais le problème c'est que c'est plus efficace pour une quantité de données, mais on a beaucoup plus de données et tout d'un coup, ben on a une augmentation globale. Donc il faut mixer à la fois l'utilisation de ces nouvelles technologies avec une forme de, peut-être pas de sobriété, mais en tout cas de modération des usages, réflexion des usages, pour utiliser ces nouvelles technologies pour de bonnes choses. Si c'est pour nous aider dans la transition énergétique, et réduire notre empreinte carbone, ces technologies sont super. Ouais. Si c'est juste pour regarder des vidéos de chats dans le train, c'est peut-être dommage d'avoir déployé ouais. la 5G. Alors dans, un, dans une société comme la vôtre, où il y a un objectif de croissance, il y a des objectifs de résultats, mmh. est-ce que le mot euh, sobriété, euh, il est bien entendu ou pas Bien sûr, parce que sobriété n'est pas en contradiction avec euh, euh, prendre soin du client, avec euh, croissance. Et je pense que demain, ce, les métiers qui auront encore une place sur le marché, en tout cas bah, du secteur financier, je crois que c'est un troisième mot, sobriété, frugalité, économie d'énergie euh, à, à prendre en compte, certainement. Oui. Ouais, on ne vous regarde pas avec des grands yeux parfois quand vous dit ⁇ Ah ben il faut quand même essayer d'aller vers la sobriété, même si vous parlez de numérique responsable hein, ⁇ Vous n'employez pas le mot euh, sobriété, c'est un mot un peu tabou aujourd'hui, euh, sobriété, Olivier Vengas. Alors il y a certains mots qui passent moins bien. Typiquement, si on commence à parler de décroissance ou de sobriété vraiment dure, c'est des choses où on peut avoir certaines réactions négatives. Donc effectivement, chacun a un petit peu son rôle. Nous sommes dans l'idée d'accompagner un mouvement positif et d'amener, c'est pour ça que je parlais de modération, c'est un terme qui passe peut-être mieux auprès des entreprises en règle générale. La question, c'est aussi, mais typiquement, si on a une croissance, dans quel type d'investissement Est-ce que ça va être des investissements qui vont permettre de réduire notre empreinte À ce moment-là, ça vaut la peine d'avoir cette croissance. Si c'est pour, par contre, uniquement acheter de nouveaux équipements, avoir toujours la toute dernière technologie, malheureusement, c'est un petit peu mal placé. Oui, alors, Sabine c'est vrai qu'il y a euh, L'action, on a vu dès la conception des applications ou des services euh, que vous offrez euh, pour les employés, euh, cette responsabilité, euh, elle se marque comment finalement au sein de l'entreprise Voilà, le numérique responsable, c'est bien que vous le mentionnez. Ce n'est pas que dans la conception d'un applicatif, c'était également dans la vie quotidienne d'une entreprise. Donc on est environ euh, 400, euh, entre 400, voilà, 400 personnes dans l'entreprise et on est tous équipés d'un ordinateur, d'un téléphone. Et à partir de là, déjà expliquer aux gens que prolonger la vie d'un équipement, c'est déjà quelque chose, c'était déjà une action très concrète qu'on peut faire. Mmh. Donc passer de 4 à 5 ans avec un, un laptop qu'on ne renouvelle pas et puis qu'après on pourrait donner parce que c'est le cas, euh, ben, à ce moment-là, déjà, c'est déjà une prise de conscience des collaborateurs. Mais ça, ça ne s'arrête pas là. Donc euh, on, a, on travaille avec des éco-coaches aussi. Et dans ce cadre-là, on a tout un plan d'action qui est lié effectivement à comment réduire son empreinte carbone au niveau d'une entreprise avec ses objets. Ça peut passer par exemple par une journée de nettoyage de mailbox, tout simplement. Oui, oui, ça, c'est justement, euh, est-ce que c'est -ce est une, euh, est, est une fable qui court que le nombre de mails avec les plages jointes, etc., euh, c'est très énergivore. Est-ce que euh, c'est avéré, cette information-là? Parce que j'ai souvent vu qu'on la, qu la mettait en doute. Alors, effectivement, ce n'est pas l'action sur laquelle on, on agit le plus de notre côté. C'est quelque chose qui est très utile pour sensibiliser les collaborateurs. Il existe une fois par an, il y a un Digital Cleanup Day, qui est quelque chose qui est devenu mondial. Initialement, c'était en France, et puis France-Belgique, et puis maintenant, c'est mondial. L'idée est effectivement de nettoyer d'une part les données, pas juste les emails, mais toute une série d'autres données. Typiquement, les vidéos prennent plus de place, les photos, etc. Donc, nettoyer des anciennes données, mais on va essayer de le faire euh, en grande quantité d'un seul coup, tout ce qui est très vieux, mais ne pas commencer à regarder chaque mail un par un, parce qu'en fait, là, on va consommer plus que si on ne le faisait pas. Mmh. Donc le stockage en lui-même n'est pas tellement le problème, c'est surtout le transfert des données qui va avoir le plus d'impact. Donc effectivement nettoyer ces données, mais dans ce même digital clean up day, on travaille aussi à récupérer les anciens équipements qui restent dans des tiroirs chez les collaborateurs à la maison, etc. Et à passer mmh. cette information à la maison auprès des ouais, familles. Mais cette empreinte numérique là, euh, des mails, des boîtes mails, etc. C'est pas la plus importante, c'est pas le c'est pas le point numéro un auquel il faut s'attaquer. Non très clairement, c'est d'abord le, le, au, au point de vue personnel et dans l'entreprise pour l'employé le, standard, ça va être le, euh, la durée de vie des équipements, et acheter moins d'équipements si on n'a pas besoin de deux écrans d'en avoir qu'un, etc. Et puis maintenant, ça va être la question de est-ce que j'ai besoin d'utiliser l'IA tout le temps ou pas, par exemple, une recherche Google ou une recherche via l'IA, mais l'IA ça va être dix fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Et par rapport à ça, par rapport à l'utilisation qui en est faite chez vous, est-ce qu'il y a un modus operandi, est-ce que vous avez donné des règles à suivre quant à l'utilisation de la ressource? De intelligence artificielle Par exemple, ou... l'intelligence artificielle, ou alors euh, sur euh, le poste de travail, les logiciels utilisés, etc. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont données Oui, clairement, en, nous avons euh, des ambassadeurs, euh, c'est surtout des collègues d'informatique de, en fait qui nous donnent des consignes euh, et granulairement en fait. Pas, on n'est pas des techniciens, on n'est pas informaticiens et donc quelque part on, on passe des messages, pas au quotidien mais régulièrement sur la manière adéquate d'utiliser un cloud, d'utiliser un, un personal folder, comment stocker, euh, voilà, on migre de serveur. Tout ça, ce sont des actions effectivement qui, sont, euh, qui peuvent impacter tout le monde en fait. Effectivement. Alors vous me disiez en début d'émission qu'on serait vers 6%, c'est ça Est-ce que euh, c'est soutenable Parce qu'on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, même si on est responsable numériquement qu'on va aller vers une augmentation des gaz à effet de serre liés au numérique, ne fût-ce que par les nouvelles possibilités qui sont offertes Alors effectivement, ce n'est pas soutenable. Il euh, y a deux, deux côtés à regarder. D'une part, il y a la partie consommation d'électricité. Et donc là, il faut qu'on réussisse à produire suffisamment d'énergie, d'électricité décarbonée. C'est ce, ce sur quoi se tournent la plupart des, des, des grands fournisseurs informatiques. Mais l'autre aspect, c'est toutes les émissions de carbone liées à la fabrication des équipements. Et celle-là a tendance à être mise un peu plus sous le tapis. On nous parle toujours d'énergie verte. Mais en réalité, ces 6%, c'est plus que juste la consommation d'énergie et d'électricité en particulier. Ouais. Et euh, ce label que vous comptez obtenir, puisque euh, vous êtes dans cette voie-là, c'est à quelle échéance, Sabine, est-ce que vous le savez aujourd'hui Disons qu'on a déjà pris en compte euh, les critères pour obtenir le label. Donc pour ça, on, on va bien sûr consulter le site de l'Institut numérique responsable. Et là, on a déjà toute une guidance en fait qui nous permet par critères. Et c'est pas des, des pas énormes non plus, mais euh, mettre déjà une gouvernance, euh, prendre conscience de quelles sont les actions en fait qui, qu que nous devons entreprendre. Et pour nous, on serait très content, Alpha Crédit, si euh, en juin 2025, on a obtenu le premier label. Mmh. Est-ce euh, qu'il est est-ce qu'on n'agit pas trop tard, Olivier Vergens Est-ce que l'autoroute la, est, est là, le, le, la, la voie est tracée Est-ce qu'on peut ralentir vraiment, vous pensez C'est un vrai, une vraie question de société au sens large. Hein, toute la consommation européenne, on ne parle pas uniquement de, de la partie numérique. Donc c'est vraiment un choix, je pense, à, à se poser au niveau européen. Euh, Clairement, on, est, on devrait avoir agi sur toute une série de domaines, y compris le numérique, depuis bien longtemps. Ce qu'on voit, c'est que l'Europe essaye quand même d'agir plus que les États-Unis ou la Chine, par exemple. Donc on est du bon côté de l'histoire sur, sur ces éléments-là. Je pense qu'il faut continuer absolument à travailler tous ensemble. Au plus on est d'entreprise à, à le faire, bien, au plus on va avoir un impact positif. Si on se dit juste qu'il est trop tard, à ce moment-là, on ira encore plus vite dans le mur. Donc mm -hmm. il, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que l'Europe peut avoir un rôle de leader par rapport au reste du monde là-dessus. Ouais. Alors Sabine Lénard, vous me disiez en début d'émission. Ça fait un an et demi qu'on est dans mmh. cette réflexion. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que c'est arrivé euh, finalement si tard la réflexion dans votre entreprise euh, sur euh, cette, euh, cette question-là Elle avait déjà démarré dans le groupe, mmh. mais euh, clairement il y a tellement de, de champs à, à, à exploiter euh, au niveau de la durabilité ce n'est pas évident non plus euh, on peut parler de la mobilité, on peut parler du numérique, on peut parler euh, de tous les aspects sociaux aussi. donc c'est tellement 360 degrés et que tout est interlié que quelque part bah, il faut peut-être faire des priorités. Et ici, mon entreprise, on a choisi euh, le numérique parce que c'est notre squelette, c'est notre, c'est vraiment le sang qui coule en fait dans notre entreprise. Et, et cette informatique, elle supporte le, le, le commerce que nous faisons avec nos clients. Mm -hmm. Et satisfaire nos clients, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et l'amélioration en fait de toute cette structure euh, squelettique en fait mm -hmm. qui vient supporter ça, ben, elle doit s'adapter aussi aux besoins du client. Et et oui. être durable. Parce que le squelette, euh, c'est de plus en plus, hein, l'informatique, c'est de plus en plus le squelette euh, de beaucoup d'entreprises. Effectivement, mais en fait, pour répondre partiellement aussi à la question pourquoi si tard, quelque part, Mais en fait, le numérique responsable est quelque chose qui était totalement inconnu quasiment en Belgique il y a 4 ans. On a lancé l'Institut belge du numérique responsable et c'était quelque chose où les entreprises ont commencé à découvrir. Et mm -hmm. je vois très régulièrement dans les interventions que je fais que les gens ont entendu parler d'un petit peu, de quelques éléments, mais souvent, ils n'ont pas les bons concepts en tête, ils n'ont pas les bonnes priorités d'action. Et donc, ça, ça ce n'est pas l'élément le, le, sur lequel il tendent à travailler en premier. C'est seulement en ayant tous ces efforts de sensibilisation, c'est grâce à des émissions comme la vôtre, en pouvant en parler justement, que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire. À travers tous les métiers. On a déjà entendu parler de choses au niveau des ressources humaines sur la mobilité, des choses comme ça. Mais Tout d'un coup, on se dit bah, l'informatique aussi. Mais il faut que les gens l'entendent, sinon il n'y a juste rien qui se fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore démarré. Oui, mais quand on entend Sabine Yenard dans son entreprise, quand je vous entends, euh, on a tout de même l'impression que, que le chantier est immense et qu'il est à peine défriché aujourd'hui. Effectivement. C'est Effectivement. vraiment quelque chose où, s'il y a plus de réglementation, plus de gens vont l'entendre d'office. Mais tant qu'il n'y a pas ces réglementations, c'est uniquement à travers de la sensibilisation des formations et puis les gens se mettent en mouvement et au plus il y a de gens au plus il y a un effet boule de neige heureusement. Mm -hmm. Ouais, euh, l'effet boule de neige vous le constatez aujourd'hui, c'est un cercle qui finalement euh, un cercle vertueux, on va dire. Je ne dirais pas jusque-là, ce serait prétentieux. Je crois qu'il faut apprendre tous les jours, et bien comprendre la problématique et choisir les bonnes actions. Parce que je crois que si on, on oriente même les, les collègues qui travaillent sur de mauvaises priorités, je crois qu'à ce niveau-là, on serait vraiment perdant et on raterait le coche. Mais merci en tout cas euh, d'avoir partagé ces réflexions euh, avec nous. On le voit en tout cas que si la voie est tracée, elle risque encore euh, d'être longue. Plus d'actus, c'est terminé euh, pour ce soir. Je vous retrouve demain et on parlera justement euh, de la mobilisation autour euh, des enjeux climatiques. Une mobilisation qui est bien compliquée euh, ces derniers temps.